Bonjour, bonjour. Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle perle de reconnaissance qui s'intercale avec les perles de reconnexion qui sont en vidéo et qui vous proposent des pratiques, des expériences pour améliorer, pour apporter la justesse, l'harmonie, le rééquilibre dans vos énergies. Justement, justement, nous allons ouvrir un nouveau volet de thématiques, de réflexion et de conversation pour aller dans une partie, dans un aspect de nous-mêmes qui a besoin d'être dans une meilleure maîtrise. Je m'explique. La thématique de cette perle audio est la voie, la voie du juste milieu entre nos deux forces qui nous habitent. Nous pouvons écrire la voie VOIE ou VOIX. En fin de compte, c'est exactement la même chose. Ce sont deux mots avec deux fréquences, deux vibrations différentes, mais qui se superposent, qui se complètent. Si nous libérons pas notre voix, si nous n'écoutons pas notre voix intérieure, nous ne pouvons pas être à notre juste place sur notre voie, qui est notre chemin. Et nous ne pouvons pas être le chemin en soi, mais seulement marcher sur un chemin. Donc, le mot voie, selon son écriture, a la même signification, a la même importance énergétique par rapport à notre chemin de conscience spirituelle. Aujourd'hui, nous allons aborder les forces qui nous habitent, qui sont électromagnétiques, puisque nous vivons dans le monde des contraires, des forces d'attraction et de rejet que nous appelons le principe féminin, le principe masculin, la puissance féminine, la puissance masculine, le yin, le yang, et j'en passe et des meilleurs dans les significations, dans les nominations, dans les identifications. Mais cela revient au même, bien entendu. Nous sommes en train, dans le collectif, en train de vivre un point de rupture. Vous le voyez très très bien avec ce qui se passe dans le monde, et encore, nous ne voyons pas l'exactitude de ce qui se passe parce que une réalité n'est que perçue à travers un prisme. Mais si nous voyons, pardon, si nous voyons avec le prisme de la grande sagesse divine, de l'absolu, nous voyons bien que nous sommes en train de vivre l'extrême dans les basses vibrations qui côtoient l'extrême dans les plus hautes vibrations. Et cela en crée un point de rupture pour entraîner un basculement de la conscience. Il y a un commencement et une fin, et là, nous sommes dans un commencement d'un nouveau cycle de la Terre entière dans son contexte cosmologique et une fin d'évolution de notre Terre avec son humanité, puisque la vie fonctionne avec ses propres rythmes, ses propres cycles, à tous les niveaux, sur toutes les grilles de lecture, autant dans notre physiologie cellulaire, autant dans notre chemin d'évolution en tant qu'humain,
et en tant qu'âme, en tant qu'essence divine, en tant que fractal de l'unité, fractal de la source création. Et donc, nous arrivons à un basculement, ce qui nous amène à vivre des expériences que nous revivons comme une sorte de reset. Il y a justement ce point de rupture entre notre regard sur le passé, comment on s'identifie, comment on s'est construit sur un passé qui a été cristallisé dans nos émotions, dans notre psyché, et un point de rupture vers ce futur qui est seulement magnétisé par un passé dans lequel on s'est engouffré, un passé à lequel on s'accroche. Et là, il y a comme une sorte de reset dans ces céphalogrammes plats de point zéro au niveau de toute la conscience à travers les mémoires de l'humanité entière. Et il est extrêmement important de se couper, de couper nos propres racines intérieure comme nos propres racines extérieures avec les racines de notre moi existentiel, de notre corps identitaire avec notre corps divin. Hier, sous une guidance, j'ai eu cette image hologrammique qui représentait ce que j'essaie de vous décrire. Qu'il y a comme un arrachement d'anciennes racines qui nourrissent la sève de l'arbre de vie humain à travers toute cette humanité qui s'est déshumanisée jusqu'au point justement de rupture, jusqu'au point d'une rupture, d'un tel non-sens que nous en sommes à devoir lâcher complètement nos propres attachements, nos propres croyances, nos propres constructions intérieures jusqu'à maintenant. L'image que j'ai reçue, c'est une main invisible qui prend un petit arbre qui s'est enraciné dans une coque, comme une coque de noix de coco. Et toutes les racines sont prises avec toute la terre de cet arbre, comme s'il était important de le déraciner pour le réempoter, le réenraciner dans une terre beaucoup plus saine, beaucoup plus fertile. Et c'est ce que j'ai vu qu'une main d'une grande sagesse était en train d'arracher cet arbre qui avait besoin de s'assainir de toutes les petites racines blanches qui étaient complètement malsaines et qui n'arrivaient plus à bien s'enraciner dans une terre profonde, une terre juste, une terre de sagesse, où il y a une harmonie qui peut se faire. Mais là, toutes ces racines, ces petites racines, étaient en train de et devaient se dissoudre et être arrachées à notre propre terre. C'est une grande métaphore, une image extrêmement forte et en même temps de racler
à l'intérieur de notre coque, cette coque, de cette noix de coco que je voyais, pour y déposer une nouvelle terre avec un terreau psychique, émotionnel, un terreau d'une nouvelle pensée, d'une nouvelle conscience, d'un nouvel état d'être, afin d'enraciner de nouvelles racines pour que la sève de notre propre arbre, dans notre colonne vertébrale, colonne de lumière, puisse se régénérer d'une nouvelle conscience, conscience du cœur, conscience de la grande sagesse mère, conscience d'un masculin restitué, d'un discernement, d'une légitimité, d'un droit divin, d'un droit d'existentiel, d'un droit de naissance. Que toutes ces racines doivent être débarrassées de mini-racines qui représentent des émotions, des résidus psychiques, émotionnels, des karmas, des nœuds karmiques, des dettes et toutes sortes de croyances qui se sont enracinées et qui n'ont pas pu vraiment s'enraciner pleinement pour créer une énergie saine, pour créer une harmonie, pour créer du sens. Ça, on a créé du sens pendant un certain moment de votre vie. Mais à un moment donné, toutes ces racines que vous avez créées à travers votre propre prisme de croyances conditionnées, eh bien, toutes ces plein de petites racines, eh bien, ont besoin d'être éradiquer, d'être complètement coupé afin d'enraciner des racines solides, des racines profondes de paix intérieure, de pardon de soi, de se redonner la légitimité, de sortir, de quitter, de couper toutes ces petites racines de peur, de manque d'estime de soi, de survie, de colère, de reconnaissance, et j'en passe, et des meilleurs, d'attachement affectif, de manipulation, de volonté d'exister à travers l'autre, de croire qu'il faut toujours se battre, etc., etc. Toutes ces petites racines d'avoir peur de l'humain, de l'humanité. Et j'en parle en connaissance de cause. D'avoir peur d'aller prendre sa place en pleine lumière, en se réalisant pleinement, quelle que soit votre scène de vie, quelle que soit la forme de l'art que vous pouvez déposer dans votre vie. L'art de vie, l'art d'être un artiste vivant, vibrant, pour créer ce que vous avez envie, quelle que soit la création. Donc toutes ces petites racines qui n'ont pas pu prendre une emprise suffisante, parce qu'elles ont été coupées par la conscience qui est en train de rentrer à l'intérieur de l'humanité et qui impose à l'humanité à revoir tout ce qu'elle a cru, tout ce qu'elle a construit à travers ses vérités préétablies d'une façon séculaire, toutes ces petites racines n'ont plus d'emprise, n'ont plus de prise
dans votre conscience mentale. Et c'est pour ça qu'on voit le non-sens de notre vie, de ce que l'on a mis en place. Et même dans notre physiologie, ce que l'on a mis en place dans la façon de nous nourrir dans la nourriture terrestre, mais de aussi de nous nourrir dans la nourriture céleste. Là est la voix du juste milieu qui doit être entendue par notre sagesse, qui se love dans notre puissance féminine, de l'amour nourricier, de nos ancêtres sages. Et d'avoir confiance et de discerner et de sortir de l'inertie, de sortir du déni de soi, de sortir d'un discernement aveuglé. Là est le contact avec les racines profondes du masculin sacré. De ressentir au plus profond la justesse de quelque chose qui n'a plus été entendu, qui a été dévié et dénaturé, et de remettre le juste milieu dans ce que l'on ressent vraiment en nous, de ce que l'on sent, ce qui est bon en nous. Du plus petit détail au plus grand détail dans notre vie. Le plus petit détail, c'est de respecter notre rythme intérieur, de se donner de la bienveillance, de remettre du repos là où il n'y en a plus, de respecter notre rythme intérieur. Là commence un processus de reparamétrage du juste milieu que l'on peut nommer le point zéro, parce que là, c'est un mot aussi qui arrive de plus en plus, oui. Être dans la justesse, dans une fermeté pour arracher, pour couper nos racines psychiques, nos racines émotionnelles qui nous amènent dans un déséquilibre acido-basique énergétique et de prendre soin des racines les plus centrales, les plus primordiales, les plus importantes, celles de l'amour de soi, du respect de soi, de l'autorisation de soi. Là est le juste milieu. Ne serait-ce que d'ouvrir une réflexion, une observation vis-à-vis de nos pensées, même derrière notre conscience, ce qui se passe dans notre inconscient. Plus nous rentrons dans un silence observateur de nos pensées, sans se juger là, nous établissons un juste milieu. De voir nos peurs et de ne pas en avoir peur, là est un juste milieu. De voir la peur de se donner de l'amour, de se guérir de quelque chose, là est le juste milieu. Là est la grande sagesse qui s'ouvre en vous, dans un espace invisible de votre psyché. Et là, vous êtes en train de redéfinir votre façon de penser, votre façon de vous guérir à l'intérieur de vous. Car plus nous allons dans l'intériorité, au centre du centre, aux racines profondes, les racines de l'être divin que vous êtes, au-delà du non-temps, au-delà de la forme, les racines de votre sagesse, les racines de votre force, de votre résilience, de votre
pureté, ces racines-là, qui vont ajuster l'équilibre entre votre polarité féminine et votre polarité masculine. Sentir, écouter votre voix intérieure. Non, là c'est pas bon pour moi. Non. Je dois retourner en arrière. Je vais aller sur un autre chemin. Là est le miroir de notre vie individuelle avec celui de notre collectivité. D'avoir un discernement, un regard d'amour de soi, cela nous emmènera à avoir un regard de discernement, un regard lucide et en même temps dans un amour, dans une indifférence divine par rapport à ce qui se passe dans le monde. Oui, nous sommes sur un point de rupture. Oui, nous sommes quelque part testés. Où allons-nous jusque dans nos limites, dans nos propres barrières? Nous voulons toujours rester dans le même horizon, les yeux braqués sur la même ligne, ou alors changer d'horizon. Mais pour cela, la voix du milieu, d'écouter l'arrière-son de votre âme qui est en train de vous souffler la voix du milieu. Comme bien se nourrir d'amour, comme bien se nourrir d'estime de soi, comme bien se nourrir de confiance en soi et comme bien se nourrir dans la nourriture terrestre, tout en se permettant des folies, mais toujours dans le juste milieu, apporter l'équilibre. Et forcément, notre conscience divine et notre conscience humaine vont aussi sur tous les plans vibratoires, vont se rééquilibrer, vont s'ajuster. Mais cela commence par votre conscience psychique. D'assainir vos propres racines et d'enlever les racines qui ont été coupées par les vagues de lumière solaire adamantine. Toutes ces racines de non-amour de soi, de colère, de peur, de tristesse, toutes ces racines de grande souffrance de l'humanité, de culpabilité aussi, se sentir coupable d'être vivant. Cette racine, elle doit être reblanchie, assainie par mes jeux. Je suis la vie. Je dois lui rendre hommage à travers moi. Je dois honorer toute cette force qui m'a animée jusqu'à présent, malgré tous les obstacles, malgré toutes les épreuves. Et là, nous sommes collectivement et individuellement sur ce point de rupture où nous devons revenir dans la voie du juste milieu. Et tout est juste parce que j'ai été guidée à construire cette perle de reconnaissance autour de cette thématique et je me suis aperçue que l'atelier holistique en ligne pour ce dimanche 16 juin vraiment était justement rééquilibrer le féminin et le masculin. Le rendre sacré, le resacraliser dans notre énergie,
d'avoir confiance, de prendre des décisions, de concrétiser, de s'autoriser. Tout cela est dans un masculin qui a été si abîmé. Parce que notre féminin, notre amour, notre sagesse, notre bon sens, notre empathie, notre compassion a été tellement violée dans tous les sens du terme. Le mot est peut-être grave et pourtant c'est le cas. Retrouvons notre dignité intérieure. Cela nous permettra d'être notre propre colibri en rayonnant une énergie de paix et cela nourrira la conscience collective. C'est d'une rapidité impressionnante ce qui se passe là, le basculement, on y est là, on y est. Et tout va bien se passer, mais si nous regardons d'un regard linéaire ce qui se passe en nous, dans notre vie et dans l'humanité en ce moment, simplement linéaire, binaire, eh bien, nous créons, nous entretenons le chaos, le déséquilibre. Revenons au centre de l'œil du cyclone et restons ancrés au niveau du point R1 de vos voûtes plantaires. Ce point réflexe qui nourrit à travers le méridien des reins toute cette énergie de force vitale qui se loge dans le socle des reins et de la vessie. Que ce point R1 crée une racine invisible, blanche ou d'une toute autre couleur de la lumière pure et qui descend dans les énergies telluriques jusqu'au cœur cristal de la terre Gaïa afin qu'elle puisse renouveler, afin qu'elle puisse nettoyer, purifier les impuretés accumulées de génération en génération, de siècle en siècle, et que vous représentez dans l'espace de votre ADN l'histoire humaine uniquement en vous. Que cette racine puisse puiser à la source originelle de la terre Gaïa, la force dont vous avez besoin, là pour vous, uniquement pour vous, ce qui va vous permettre, en vous recentrant sur ce qui est bon pour vous, à tous les niveaux, pouvoir rayonner la paix dans le monde psychique de la conscience humaine. C'est comme ça que cela fonctionne. Car tout dépend de nous. Uniquement, individuellement. Au niveau des paumes de votre main, se trouve un portail. Un point réflexe aussi, au milieu de vos mains. Regardez-les. Accueillez cette énergie pure de la lumière, de l'amour, en vous donnant de l'amour. Une longue racine lumineuse, couleur or, couleur argent, est en train d'ouvrir
d'irriguer, de drainer ce point réflexe au niveau de l'intérieur de vos mains, ce qui va vous permettre de vous connecter à l'espace céleste de votre cœur, comme un œil primordial qui se relie à votre œil primordial de votre front. Toute une nouvelle configuration anatomique, énergétique et pranique est en train de s'ouvrir. Là est le cadeau divin de la nouvelle conscience qui s'installe de plus en plus dans les moindres recoins de votre humanité personnelle. Toute une ramification, comme un nouvel arbre de vie avec de nouvelles racines, couleur or, couleur argent, couleur bleue, couleur jaune, peu importe. Comme un kaléidoscope qui retrouve une harmonie entre les deux socles de votre personnalité et individualité, le socle féminin et le socle masculin. Là est le début d'une nouvelle sérénité en vous qui va irriguer le monde de vos pensées. Respirez dans ces nouvelles racines qui vont vous apporter de l'aide, qui vont vous faciliter à prendre de la hauteur, à prendre du recul et à être autant dans un regard lucide humain, autant dans un regard d'être divin sage. Et que les deux regards puissent se juxtaposer dans la voie du milieu. Merci à vous, les amis. Nous nous retrouvons bientôt, soit en privé, soit en public, mais nous nous retrouvons dans une magnifique union, dans de la bienveillance. Ça, c'est très important. Je vous embrasse. Je vous aime. Et je vous enlace.